Novembre 2011. Plus de 40 artistes en quatre jours, tels que Dutchess 16, à la Claire Ensemble, Galaxy, Absolutely Free, Brad 3000, Plaster, Mr. Valère, Uncle Bad Touch, Young Empires et plus. Ne manquez surtout pas notre événement de clôture au Metropolis présenté par Blue Skies Turn Black. Le samedi 19 novembre avec Carquois, Ariane Moffat, Galaxy, Random Recipe, The Bar Brothers et marguerite Arthur. Programmation complète et bien en vente sur www.mpourmontreal.com. Sport Direct, l'endroit branché où tous les événements sportifs sont diffusés sur grand écran. C'est l'endroit idéal. Et des le vendredi, entre 11h et midi, des scies et des rêves. Comment allez-vous? <laughs> Tellement bien. Ah, Ça ouais. va bien. C'est quoi ces voix-là? Ces voilà étrangères? Euh, nouveau monde. Cette semaine, étonnamment, on va avoir du nouveau monde dans le studio. D'abord, euh, on va commencer avec les vieux meubles. Nicolas, comment va-t-il? Ah, yeah, yeah. Tu me disais, Ardon, que tu avais une semaine tranquille. Oui, trop tranquille. Ouais, je dépendais sur, sur les troubles pour ne euh, pas avoir affaire de chronique. Oui, parce que eu, Nicolas, dernièrement, chiale. Alors, euh, Sophie Croteau va aimer ça. C'est moi. Parce que tu chiale, me disais hier au bar que tu là, écoutais ton émission et que tu chiais tout le temps, finalement. Oui, tout le temps, tout le temps. Ben, tu vas aimer ça, Nicolas, aussi, maintenant. Il est décidé que oh, moi, je chiale. Bon, mmh. ben, tant mieux, on se ensemble. Je pensais qu'on devenait moins gris avec le temps, ça, ça me surprend. C'est totalement faux. <laughs> Et on a entendu Francis Wallette, comment va-t-il À mesure qu'on se rapproche de la mort, effectivement, on a tendance... Le vieillissement, ça crée la médisance. Ouais, je suis en train de dire que je vais bientôt mourir. Non. Je dis juste qu'en multipliant les années euh, ta mmh. vie, euh, effectivement, tu vas devenir de plus en plus chialeuse. Ça va être beau à 32 de, ans. Tu auras mo de, de moins en moins la possibilité d'avoir un contact avec les générations précédentes. à oh. Cause de l'évolution exponentielle de tout ça. Mais moi, ça va bien. Ah hein? Ça va super bien, Julien. Écoute, c'était si es amoureux, Sophie, fais-la en ondes. OK. <laughs> on, nous, on nous dit. Ça une première. Bon qui dit ça, là. C'est intéressant. Mais en fait, il y a Molière, là, mais tu ne pas grave. Non, euh, c'est pas vraiment ça qui est arrivé, mais ma moi, genre, on n'embarquera pas là-dedans. Non, 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 non. La radio n'existait pas. À est ouais, il n'est pas mort. Me, là. Me semble, là, il est ouais. pas mort pendant des restes. C'est pour ça que j'ai dit. <laughs> <Mais bon. rire> euh, Sophie, qu'on le rappelle, anime euh, l'émission de théâtre à Choc FM le vendredi à 21h. Euh, Donc, tu te rappelles jamais plein, plein Espace, c'est Oh, exact. bravo. Et, et d'ailleurs, euh, Bruno Corbin, euh, fidèle collaborateur de 70%, est venu nous visiter il y a quelques semaines. Puis il avait comme chronique euh, Comment nous améliorer Puis il avait notamment parlé du fait que j'avais pas assez exploité le filon de jokes de pénis qu'on pouvait faire avec plein espace, selon lui. OK. Alors, je vais essayer mm -hmm. de le faire cette semaine. Là. OK. Ben bonne chance. Ouais, ça ne me surprend pas que si ce fille ait pensé à un nom d'émission de main. C'est l'espace, hein? C'est l'idée d'être investi en profondeur. Le pire, c'est qu'au <laughs> départ, c'était supposé être espace plein, ce qui est un peu pire. Ouais, là, c'est pire, ça. Mais ce qui est moins pire que la tune, Je coule en toi de Jonathan Roy. C'est ça. Je coule, je coule en toi. C'est comme, même pour moi, c'est trop explicite. <laughs> ouais, c'est ça. Non, Il manque de, de deuxième degré. Ouais. Ouais, là, Jonathan Roy, si tu nous entends, soit plus subtil. Et euh, Francis Ouellet, on le rappelle, euh, euh, obsédé sexuel notoire et aussi ouais. animateur de « mystères étonnants » et de « Sept émenticards » sur les ondes de Choc FM aussi. Alors, c'est une des collaborations chociennes cette semaine. C'est vrai, hein? Oui. C'est choc en choc. C'est ch de choc en choc, choc expose en choc. Euh, il, il, fallait, il fallait se réapproprier les, le plein espace de choc ouais, et devenir le, tous des frères. Le plein espace <laughs> de, de Sophie. Yo, bro! <laughs> ouais, ouais, yeah. exactement. C'est ça, regarde. C'est la démocratisation de nos ondes. J'adore ça. Et euh, Judith a été débordée par les travaux. Elle va revenir la semaine prochaine. Euh, c'est une sauve tiens à répondre salut. Je l'aime. Judith, ben oui, on l'aime. Euh, fait que je vais commencer avec une, une, une petite nouvelle brève. Il y a Chris Martin, chanteur de Coldplay, qui a dit en entrevue euh, Je serais nul en, en carrière solo. Alors j'aimerais lui dire qu'il est nul aussi en band. Oh, <rire> jugement <rire> Ah non, après, le premier t'es était bon, on le disant Fait que c'est le chanteur de Coldplay Oui, ouais, Chris okay. Martin. Ouais. Alors on continue avec la chronique de Nicolas. Ah, <laughs> tu direct avec moi, ah, là. C'était ça ta nouvelle brève. Oui. Ah, bon Dieu, je comptais sur toi là, pour me craquer un peu. Parce que moi en, fait, okay. moi, en fait, c'est comme c'est comme un peu sur le néant là, cette semaine parce que parce je que n'ai rien trouvé. Ben, je peux Et te dire euh, comme que ouais. sur, le, sur le Twitter, de 70% hier, quelqu'un a demandé euh, le retour de Sauve 5, étrangement. Ah, euh, ouais, Twitter ne dérougit plus. Euh, ouais, sur le, 5 même. Euh, ben, en fait, quelqu'un, je n'ai pas son nom devant nous, mais c'est un pseudonyme de Mar de Noé, demandait euh, à quand le Sauve 5 sur les seins qu'on qu nous avait promis. Euh, non, euh, je disais tu voulais pas le faire, celui-là. Ouais, je, juste... je pourrais le faire, gars. De toute façon, c'est la demande des disciplines bah, okay. la semaine prochaine parce que je, je finis par y retourner parce que cette semaine, j'ai eu le cheminement justement de Razik. que euh, Charlie, c'est pour les paresseux. Tu me diras si je me trompe. Merci. Parce qu'il n'offre rien de constructif pour améliorer. Non, juste parce que c'est facile. Ah, c'est tellement facile. Le cinéaste, c'est une facilité. Tu n'as pas à réfléchir, tu n'as pas à chercher. Tu sais, les choses arrivent, tu chiales. Mais non, mais non, mais attends, moi, quand je chiale, c'est parce que je réfléchis à des choses puis ça me frustre. Non, tu ne dois pas réfléchir assez. Réfléchir assez. C'est réfléchir assez. Puis, euh, c'est ça cette semaine je me disais tu sais j'ai pas à chercher de chronique je vois juste quelque chose de tanan va m'arriver puis je vais chialer là-dessus ouais. mais les autres semaines je voyageais tu sais je faisais des grands voyages à la Magog, j'allais à Québec tu sais puis là c'était plat ou c'était mieux ici ou c'était mieux là-bas il y avait tout le temps quelque chose à chialer tu sais j'avais rien à chialer j'écoutais des films plates mais c'est de ma faute j'ai j'ai décidé d'écouter c'est ça j'ai décidé d'écouter les premiers remixer rapidement mais j'ai même décidé de les écouter dans le but de chialer ok mon dieu donc après ça je pouvais pas chialer en train c'est un exercice c'était un plaisir c'était un plaisir c'était crazy stupid love c'était ah c'était plaisant là ça c'était un bon 1 heure et demie de chialage ininterrompu j'ai écouté le remake ring over hier Hangover 2, puis c'était un peu ah ça aussi c'est c'est pénible ça m'a pris trois trois fois pour l'écouter et en étant payé parce que c'était au travail dure une heure et demie puis long ah, c'est pénible. Mais ils sont trompés, ils ont oublié qu'il faut mettre des jokes dans une comédie. Ouais, hein, Il ouais. ouais, y a comme pas de jokes. Pas ben, les mêmes ben, jokes ben, que dans le premier non plus. En plus. Mais ben, ça ah, fait radier que, tu sais, un singe, des pénis, c'est pas assez. Ouais. Bah ben, écoute, le seul, prend... le seul bout que j'ai un petit peu rire, c'est quand la, la, la transsexuelle parle qu'elle enculait l'autre. Je sais pas, je fais comme... <laughs> <laughs> ah, tu vois, toi, ils a euh, mis un pénis sur une femme, c'était assez. Ouais, je trouve que... Les pénis singe, c'était pas assez. Et En plus, j'ai vraiment vu venir à 100 000 à l'heure que ça à l'aide des Ouais un espace mais euh, au <laughs> <que c 'est... rire> moins ouais. bravo Julien ça, rien. mais euh, c'est ça non ça continue toujours ah, d'ailleurs celui qui a écrit euh, euh, Crazy Stupid Love je trouvais que c'était comme euh, tous, les, tous les adultes avaient un comportement d'enfant dans, dans, le, dans le film ou de très jeunes adolescents et puis euh, finalement les seules choses qu'il a scénarisées avant ça c'était euh, Cars 2 euh... Un succès au euh, box office, quand même. Je crois que ça fait, tu en parler. C'est non? C'est <laughs> le échec, premier. Euh... Le, non, c'est pas un échec, mais c'est le premier film de Pixar depuis Toy Story 2, soit en 99, à oh, ne pas atteindre les 200 millions. Oh! Même Ratatouille a mmh. réussi, qui probablement non, leur c'était bon, le... Ratatouille. Non, c'était bon, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est probablement leur film le moins commercial. Ça, c'était un Et des euh... films les plus appréciés des jeunes enfants, tu sais, des voitures de couleur. Euh, Mafia l'avait des. des, des, des... Les gilets Steve McQueen, non, Flash ouais, McQueen, Flash non, Flash. tout ça. <laughs> et <Kim> puis, euh, <laughs> elle ouais. allait là tout excitée avec ses chaussures Flash McQueen, puis son gilet, puis. Yeah, puis elle a dit Je me sens pas bien. Ouais. Oh, elle avait un mauvais feeling. Quand dans même le les film, enfants, hein, c'était de... désagréable. Ouais. Mmh. C'est important que très jeune, les enfants reconnaissent la, la puissance et euh, le, le, le fond de l'ennui. Ouais. C'est fun qu'ils qu reconnaissent le mal, la violence, l'ennui. Juste la mauvaise écriture, la écriture paresseuse. Qui écrit ça, lui c'est Good Cars 2 qui ah oui, ça. est ça. Ah oui, puis aussi Cars Bolt, euh, un, autre, un autre très mauvais non, film. Bon, euh, Tous des films comme ça, c'est comme euh, 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 Ils s'en rendent presque, mais ils se rendent pas complètement. Ah. En tout cas, fait que j'ai réalisé ça, fait que je me dis bon mais la semaine prochaine, je vais faire... que je travaille, puis je vais être à mes sources 5. Tu te remets à Sau euh... est-ce que c'est en de nous annoncer le retour de Sau 5? Oui, je... Ben je vous annonce le retour de Sau 5. Ça, la Nicolas a changé de chronique dix fois depuis le début de décider. Mmh. Mais c'est qui autre. là? Quand, oh, j'ai fait un cheminement. Ben non, oui, ben oui, regarde. J ai, j ai... Ça, je voulais quatre fois, j'ai entendu ça. Mais c'est parce que aussi, je suis dans, une... dans une période critique personnelle. J'ai tellement de choses à faire que j'en fais aucune. Ok. Nicolas, tu te tu, tu, tu prends pas assez de temps. Ouais, mais c'est comme. J'évalue tout ce que j'ai à faire. Je me dis, j'ai tellement de choses à faire. Je suis mieux de ne pas commencer tout de suite. Je vais penser comment mieux faire tout ce que j'ai à faire. Demain, ça. ça. va être plus mmh. clair, c'est ça. Comme mmh. le dicton, le dicton qui dit pourquoi remettre à demain ce que tu peux faire vraiment plus tard. Ouais, ouais, c'est ouais, une variation ça. drôle. Ça, pourquoi remettre à demain ouais, ce qu'on qu peut remettre ouais. après ouais. demain. <laughs> mmh. ouais. Donc c'est ça. Tu sais, j'ai pas commencé mon mémoire, j'ai pas commencé mon stage, j'ai pas commencé à rien faire, puis euh, ça, oh, ça s'accumule Tout doit être correct. Mais le problème ouais. Ouais. que là comme on a déjà discuté ensemble, c'est que tout finit tout le temps bien, pareil. C'est ça, c'est ça mon mmh. problème aussi, ouais, mon, bac, que tout fini par finit mon bac, il mon bac, pis tabarouette, ouais, mener des travaux, les travaux faits la veille euh, en dormant pas, là, mon texte de ouais. 15 000 mots fait en deux semaines. Là, on n'apprend pas, on apprend pas. Non, non, parce que ça finit toujours correct. Ouais, c'est <laughs> ça. Que... Les... Ça finit pas que tu vas le couler ton cours là, tu vas le passer ton ouais. cours, tu le sais. Ah ouais, ouais. Mais... Mais... on pas dira pas. surtout pas que je suis en train de manquer un cours pour être ici. C'est quoi le cours? Euh, tu... Un cours d'espace cynique. Espace cynique. Ouais. Un espace pour les cyniques? Oui, exact. C'est-tu sûr? C'est-tu fais t'sais bien de le manquer? Tu apprends déjà beaucoup. C'est mon stage beaucoup, de venir hein. ici. Tu as, as, as tronqué le, le scénique pour le cynique. Ah 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 <laughs> <laughs> Le, le Nicolas fournit la rock. Oh, ouais, oh, oui, ça prendrait ouais. une chronique comme ah, ça. Ouais. Si ouais. c'est pas que j'ai les Nicolas, si Nicolas, Nicolas <laughs> il va chialer. Okay, ah, ouais, c'est dommage. J'ai fini cette tangente là. C'était une bonne tune. Ah ouais, déjà, hein, c'est malheureux. Ouais. Mais sinon, j'avais juste pour essayer de passer le temps. J'ai réussi à passer cinq minutes. Ah, c'est des bravo. C'est euh, ça qu'il faut faire. Hein. J'avais des petites choses cette semaine qui, qui m'ont accroché. Euh, comme euh, il y avait dans le journal de Montréal hier, euh, euh, il parlait d'une assiette parlante. Ah, enfin. Donc, en Angleterre, euh, c'est pour éviter... Une assiette euh, mangeante serait intéressant. Oui, Comme ça le, serait bien, ça, pour le les problèmes d'obésité. Du... <laughs> on en voit ça en Afrique, là. Ouais. C'est vraiment une assiette qui parle, mal. en fait. À l'origine, ouais. c'était pour régler les problèmes de boulimie. Euh, <laughs> L'assiette, elle a un petit capteur, puis ouais, elle capte le poids de la bouffe qui est sur elle. Et puis après ça, elle, 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 elle calcule à quelle vitesse ce poids diminue. Donc là, des fois, si tu vas trouver, tu dis « mange moins vite, là ». Peux-tu choisir hey, la voie? « mange moins vite ». Est-ce que tu peux, à la limite, préprogrammer des messages du genre, à ce type de gros tas, il faudrait peut-être que tu prennes ton temps? Ouais, mais ça essaie d'être positif, <laughs> ça veut, ça, ça veut, positif, tu sais. Quand tu donnes à quelqu'un, ça Ok, c'est ce du vrai. renforcement positif. Oui, oui, c'est ça. ça, ça, ça peut-être que tu devrais aller plus oui. lentement. Est-ce que tu as vraiment goûté ton repas aujourd'hui? Ben, en euh, fait, même plus tard, 10, Après un certain temps, <laughs> est-ce que tu as vraiment encore faim? Ah! Oh, peut-être wow. devrais-tu déposer ton assiette. Ben, tu as, entends la même phrase dit de la même façon à tous les jours. Ça parle de ton impact. Peu, ah. Je crois, selon moi. Tu penses ouais, c'est bien je... Ben Selon une perspective piavioriste, je pensais ouais. que ça pouvait peut-être avoir un impact à long terme. Je pense ah, qu'à ben, long ouais, terme, pas, les ouais, gens prendraient deux assiettes, une fausse assiette puis une vraie assiette. puis ils feraient ça ils ne sortiraient plus. Moi, je pense que la solution à, à tout ce problème, à savoir si c'est Pavlovien, euh, ouais. c'est très très simple, les gens ne la prendraient plus. Non, Donc, exactement. Mais si on les force, admettons on les force. Admettons. Bon, admettons. Ouais, non, mais il ouais. faudrait peut-être. On pourrait s'en commander une, pour faire le test. Ouais, c'est intéressant. Mm -hmm. Moi, mais quel, crois... euh, qui de nous est boulimique? Moi. <rire> <rire> non, non mais, euh, euh, boulimique, non, mais... Oui. En fait, tu venais parler de ça. Ah! C'est ah, ah, quel, quel, C'est bon, Puis là, là t'as dit boulimie, c'est ça les synchrones. Et je me dis, que, que, pourquoi je me lèverais aujourd'hui? Pourquoi est-ce que j'irai faire des si des reins Et je me suis dit… parce ben, que le oui. <laughs> Non mais ça c'est jamais un problème. Hein. Non. On arrive toujours à se départager de, de ces euh, responsabilités-là. Ben, T'es pas venu la semaine passée aussi, disant que t'as bu la veille, mais deux semaines de suite, ça été un peu limite. Ouais, hein. non mais j'ai pas bu la veille puis j'ai pas de mensonge ouais. euh, potentiel quoi que j'avais trop bu la veille. Pourquoi Parce Pourquoi? que je suis mec ah, je voulais parler de boulimie, euh, des rapports particuliers que la boulimie a oh, justement boulimie. Avec le théâtre, la vie et l'ego. Mais ça ça, ça, ça va être tantôt. Ouais, je boulimique. Je, je m'en suis rendu compte en fin de semaine. Oh, en fin de semaine? En, en plus. Fait. Bien, ça bien, fait bon. longtemps que je me débarrasse. T'es récemment boulimique. <laughs> euh, non, je, je suis depuis longtemps, mais constaté et ouais. affirmé. C'est euh, la première étape. <laughs> comme une Pourquoi je me fais vomir à chaque fois que je mange. Mm. Ben, c'est ça. L'affaire, ouais. c'est que la, le vomissement, qui a rapport avec la boulimie, est un euh, mythe. En cela que, euh, oui, il y a des boulimiques qui, qui vomissent. Mais pour pouvoir sont... manger plus. Oui, mais c'est souvent aussi des boulimiques euh, qui veulent garder un poids relativement mince. Ah. Donc, c'est des gens qui mangent et qui ont ce qu'on appelle des cravings, des, des, des envies oui. de binge, Et là, ils vomissent justement parce qu'ils veulent rester mince Mais ça, c'est très mauvais pour les dents. De ce fait, j'avais un ancien. Parce que <laughs> ouais. les, dents, les dents ont tendance à jaunir. Pour à les se dentistes marcir. qui nous écoutent. Ah, vraiment, même, ça, même ça. si on se brosse les dents ensuite après avoir. Malheureusement, les acides qui ah. remontent euh, de ton fond de gréement, euh, ça a tendance à brûler la racine euh, des, des gencives. Ah, vraiment? Mon ancien beau-frère avait trouvé une... une qui, qui était musclé, ça n'a aucun crise de bon sens, mais qui était boulimique, qui avait trouvé une bonne solution. Il euh, consommait du, du X-Lax avant chacun de ses repas. Comme ça, il savait okay. qu'il allait l'évacuer dans l'heure ouais. plus tard. Mmh. Puis qu'il se sentirait vide. Ah. Euh, malheureusement, ça, ça lui a posé des, des problèmes. de ben, Il a essayé de se suicider à trois reprises. Oui, mais, <laughs> ouais, ça, mais ça, au niveau ça, de l'anus, est-ce que c'était ne s'était pas, pas irrité un ouais, peu? Total. Parce qu'ils arrivent fulgurants. sont ça, ça, des dents puis un anus irrité. Ça te mmh. bourse mais sauf dents jaunes, je dirais. Mais C'est qu'après ça, il est obligé de faire un X sur la mort par exemple, parce que ça fait trop mal. Dans son cas, oui. Forme okay, malheureusement ouais, ouais. ou tu le fais justement c'est une punition à chaque fois que quelque chose quelqu <laughs> oh en Dieu, toi. Ouais. Tu... mais moi, moi j'aime me... <laughs> me... ça je me, bien me suis... je me suis rendu compte que j'étais boulimique cette semaine ouais. puis je m'en suis rendu compte parce que j'ai eu une série de, de troubles <laughs> d'ego dans la ouais. semaine puis euh, je les ai gérés avec la nourriture ok mais là je parle des quantités là, des absolument. troubles d'égo ben eh oui, oui, oui ma, ma foi j'en ai terriblement ouais, la seule chose la seule chose plus grosse que tes bras c'est ton égo je non <laughs> en fait c'est ça qui est particulier c'est mon ventre ah <laughs> oui, je <m> eu. <laughs> ben, euh, on peut continuer. Ouais, avec Nicolas tu te dis. Oui, j'en étais où? <laughs> l'assiette qui parle. Les... C'est juste ça, l'assiette qui parle. parle. C'est dommage je l'ai pas fait en dernier, ça aurait fait un beau pont. Sinon, mais il y avait juste euh, le cancer, du sein là? Ouais, on s'en ouais. fout. C'est réglé ça. Je pense. C'est parce que ça fait pas peur. Ben, je trouve que c'est le seul cancer que jusqu'à temps que tu vois une femme qui est juste un Mais c'est le seul cancer que les deux sexes veulent autant que ça se règle. Je suis d'accord. Ouais. Tout le monde veut. être un joueur joueurs de football en rose comme. Hey, on veut pas les perdre, ces seins-là. Si on Comment... aime ça, on aime ça. Ben oui. ça. Les seins, c'est cool. L'hôtel on... de ville euh, s'illumine, ouais. c'était aujourd'hui. On n'en veut pas qu'un seul. Non, non, on veut. On veut moi, moi Peut-être je... comme un gros sein large quand on penserait pour deux, ça pourrait être drôle. Peut-être. <laughs> drôle. <rire> ça. Moi, je pense que Bonjour, le, est le, cancer, le cancer du sein est au, euh, est, à ce, est, à, est au 21e siècle, puisque le triangle des Bermudes était aux années 80. Personne n'en parle. Tout le monde s'en crisse maintenant du triangle des Bermudes. Tout le monde dit, il ne faut pas là. Il y a un triangle. Hein, 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 triangle puis, ouais. puis, plus personne n'en parle. Depuis David Copperfield, euh, c'est réglé. Il a, a réglé ça. Le cancer du sein, ça ne ma femme. David Copperfield pour régler ouais. le cancer du Mais sein. Mais encore, là, c'est l'hôtel de ville qui s'est illuminé pour le cancer du sein cette année. En le, rose, De je Montréal. De Montréal. Et puis, ça disait, du temps des fêtes, le centre-ville Saint-Thil, qui débutait hier, illustre l'appui de la ville de Montréal. Oh, sure. À la Fondation du Cancer du saint du québec la campagne vise également à mettre de l'avant les atouts du centre-ville. Oui, c'est beau de la pluie symbolique. Tu sais, hey, je soutiens la cause. Oui, ouais, de mettre de l'avant les, les atouts sens. du centre-ville bon, comme les fiage. atouts d'une femme. Exactement, ouais, comme si on putifiait le centre-ville au nom d'une cause. Exactement, ouais. genre, genre, montrer est... le cleavage de l'hôtel de ville pour <laughs> que garder le cleavage en vie. Froid, plein de granit. Il n'y a rien à tâter. C'est effroyable. Ouais. c'est effroyable, c'est le mot, le mot comme, du comme jour. Mort. Oui, c'est salé, salé. Froid comme la mort. Froid comme la mort. Ah, puis il y a une place euh, Gilles Carle maintenant. Ah, ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Ça serait aller pour niquer là Ouais, j'aimerais ça. Qu'est-ce que tu nous apporterais pour pique-niquer, Sophie euh, Je vous ferais euh, du brie la... fondant. T'es comme la fille, tu ça là. Oui, ben, ouais, je hein, suis je bien cuisinière dans l'âme. Ah, bon, bah, ben, ça. Le brie fondant. Le ouais, brie fondant, c'est bien, ça, ouais. Sur ouais. des croutons C'est ça. Ouais. Tu pas ça, le fromage Nicolas garde le fromage ses 40 ans. Tu vas t'emmener des raisins Ouais. Dans le chocolat. Bon, t'aimes pas les raisins. J'imagine. Dans le chocolat. Tu kimes pas les raisins. Peut-être un que petit que... pâté, ça aurait été bon. bon ok, du petit pâté. Ok, bon. bon, ben on a, on a de quoi qui se trame là, un pique-nique et euh, des raisins. À la plage du coeur. J'adorerais ça. Alors, merci beaucoup, Nicolas. <laughs> c'est ça, c'est ta chronique, ça, c'est ça? Chronique entre énormes guillemets. Non? Ok, mais ça, c'était un entre-deux. là. C'était comme pour montrer, tu sais, c'est le creux de la vague. Là. Ça, c'est le ressac. Puis là, il va avoir la vague de sa vague. Il y a eu pas mal de creux de vague à ça. Pain. Fascinique, c'est un creux de vague aussi, c'est ça? Fascinique? Non, ça, c'était plus une. Mais de toute façon, si tu finis en force, ça fait comme une bonne courbe. Ça fait une courbe qui. Qui punch. On continue avec. T'as peu. Domaine Alari avec Domaine Alari à décider. Comme deux gouttes d'eau, Robert de Niro Y'a Louise qui pense qu'elle peut me séduire Agatha même, parce je la ferai rire Mais moins polo, celle que je désire Celle avec qui je veux m'en Ben c'est Yvette Oh oui, ma belle hiver. Me semble qu'elle serait parfaite. Oh oui, ma belle hiver. Depuis deux semaines, on se fait des beaux yeux doux. Ton père, lui, en fait des gros. Puisque je viens faire les sept je m'allonge, il manque, je risque tout. Yvette, veux-tu être mon épouse, et m'aimer toute la vie. Ah ben quoi les sa vie oui. Un beau mariage d'un petit village. grosse bédame d'une petite maison. Ah, c'est le bonheur pris en otage. Hey, c'est quoi ça dans le ciel? On dirait un gros nuage. J'y vais, sauf très vite. La terre. Mon père pense qu'en prenant au moins deux semaines, c'est clair qu'il aurait pu faire quelque chose de beau, de bon et puis de dressé qui en vaut vraiment la peine. Salut, ici Jim Corcoran. Et quand je me pointe d'interrogation, eh bien, je me pointe l'exclame des si et des re, et je me pointe de suspension. Des Jim Coran Car nous écoute. Hey, c'est ça, c'est chouette ça. <laughs> un petit auditeur, Il tweet avec moi d'ailleurs en ce moment. Il tweeté. Ah oui, euh, je, je l'annonçais après 22 minutes d'émission. Euh, Sophie tweet euh, en, en direct pendant l'émission, c'est exact? <laughs> ouais, mais j'ai pas vraiment de réponse là, mais okay. je le fais, je fait Qu'est-ce qu'il faut faire si on veut parler à Sophie sur Twitter? Ben, même, je pas, je, je un, comprends pas Twitter encore en fait. Un hashtag, okay. un petit carré, Ouais. Euh, dièse. Dièse déciderait. Oui. Diaz et dans ton message, puis okay. je vais voir. Ah, peut-être. Tu nous diras ça live s'il y a des gens qui nous... Euh... On verra. Parfait. Alors, on continue sinon avec euh, Sophie Crotto. Hey, euh, com comment va-t-elle? Ah, oh, ça va, ça va. Ouais, T'as-tu ouais. une petite pour nous cette semaine? Oui, ouais, j'ai fait ça. En fait, j'ai vraiment juste récupéré euh, lâchement, paresse, un article paresse, que j'ai écrit sur mon merveilleux blog que je fais avec les filles de Plein Espace. Ouais. Vas tu vas faire une blague. C'est le moment. Plein euh... Espace, euh, des graines dans des... Continue. <laughs> dans des contenus. Ouais. Euh, ouais. Euh, donc un article, ça s'appelle langsal.wordpress.com. c'est bien une fun. Euh, J'ai fait un article sur les tatous, tu sais. Okay. Parce que le monde me pose tout des questions un peu plates là-dessus. Ouais, mais ben, t'as plein de sweet, sweet tats sur toi. Ouais, sweet tats. je suis ouais. rendu à 17. Même. 17, c'est bon. Je comptais ça l'autre fois. Toi, tu vises combien ça? Ouais. Okay. Je sais pas. Non, je, tu dois faire une grosse graine, ça? ça joue. <laughs> Sur la joue. Tu vas <laughs> faire Julien. <laughs> ah, J'adorerais ça. Parce qu'en plus, tu, prend, tu prendrais de cours les gens qui veulent te dessiner des graines, ça joue pendant mm -hmm. que, mm -hmm. que tu es en ordre d'un Ouais, mais on peut pas. On ouais, ah, ouais, peut pas, Adnan, ouais, me Ouais, peut-être. Tu me tiens pas dans ce genre de party-là. Ouf, manque rien. <laughs> si tu le dis. Oui. Fait que c'est ça. J'ai des conseils pour le monde qui veut se faire tatouer. OK. Parce que, tu sais, les questions niaiseuses fusent, on s'entend. Ben oui, ben, <laughs> les, les euh, monsieur tout le monde est un petit imbécile. Ben oui, surtout quand vient le temps de parler de tatou. Bon, D'autant plus. C'est ça. Monsieur tout le monde ne connaît rien en tatou. Non. Non. <laughs> non. Effectivement. Et sa petite bière, là, ok. Ah, oh, comme à C'est ça. Puis moi, je tatoue, j'ai travaillé dans une place de tatou, Je connais ça pas pire. OK. Pas pire. Travaille où, là? tu peux -tu le Chez dire? nous. Ouais. OK. Ah! Mon... C'est-tu légal, What? ça? <laughs> je si tu C'est comme en prison, genre. <laughs> ouais, pareil. Ouais, okay. Mais on écoute des films, puis, on, puis de la musique, puis on boit de la bière Ah, c'est le temps. fun. Ouais, okay, c'est C'est cool, c est c est cool, cool, ça. cool ça. ça. Fait que ouais, si vous voulez faire tatouer par moi, trouvez-moi sur Facebook, puis... Okay. Euh... Sophie Poste-Crotto sur Facebook, elle a des qui se mettent des petits pseudonymes. Ouais, je suis une même. Non, c'est correct. C'est intellectuel. Non, ça va. On ne veut pas tout faire courir. Bref, premier conseil... Ça coûte cher, des tattoos. Faites mmh. pas comme si ça coûtait pas cher, puis payez. Parce que sinon, si vous... c'est sûr qu'il faut aller sur la rue Ontario puis trouver une place où ça va vous coûter euh, Focal, mais comme moi, vous allez vous ramasser avec des tatou un peu laids que okay. vous allez regretter. Je pas te le dire, mais et des irritations ouais. non, des non. fois même au bras des des ça sanguin, arrive oui beaucoup ouais. d'irritations un, oh, ouais. ouais. un peu de frais ça ouais. arrive ça peut juste être un peu croche aussi ce qui est jamais très ouais, bah, c est c est souhaitable ça. à une multitude de degrés sur Ontario beaucoup d'irritations un peu de frais mm -hmm. effectivement très exact fait que ça coûte à peu près 100$ soyez pas cheap c'est quand, pas... okay. quand tu te ok quand tu te tu as tout de quoi de, 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 de précis effectivement là, une face je sais pas quoi il faut, faut mettre le prix je pense parce ouais, que c'est une face puis elle croche t'es poigné avec ouais c'est déprimant. Une grimace, tu sais, tout le oh. temps. C'est un peu triste. J'aurais goût de boire. Est-ce que lorsque tu <laughs> tatoues les gens, Sophie, euh, ça fait plaisir de faire une émission avec toi, euh, lorsque tu tatoues les gens, est-ce que tu considères fondamentalement la possibilité des modifications que le temps va faire et les offres que le temps va faire sur le corps et la modification de la face et du des Les autres? gens prennent du poids. C'est ça. Oui. Tu <laughs> sais, quand les gens, ils viennent gros et ils ont des man boobs, s'ils se font tatouer des affaires. Je pense ça en avoir, d'ailleurs. Oh, ben, ça s'en vient trop ou tard. Ah, okay. ouais C'est sûr qu'il faut y penser. Il faut penser au, à l'emplacement. Puis je, je, le, je le dis toujours à la personne. Premièrement, comme, va pas au soleil avec ton tatou pendant les 40 prochaines années. Il va être lait, c'est ouais. sûr. Okay. Le monde le font pareil, ça, c'est sûr. Là. Mmh. Mais bon, je le dis. Moi, mmh. ma protection, c'est de le dire. Puis de dire, si tu le fais là, ça se peut que ça soit lait quand as des bébés. Mais bon. Euh, ouais. Okay. Mais non, j'ai pas eu de situation. Euh... Ça se peut euh, admettons, faire un tatou il y a l'air de rien, il y a l'air d'un barbeau à l'époque actuelle, mais ouais. avec les modifications mmh. euh, du, temps. du temps, deviennent un, un quelque fait... chose de cohérent. Ouais. Ouais. Ben, je pense que ça, ça serait ça rentrerait dans... On pourrait nommer ça une œuvre d'art ouais. puis peut-être... Comme le... un puzzle temporel. Oui, hein. c'est ça, on pourrait développer ça. Tu, ouais. fais un jeu, tu fais ça comme sur un javelot au repos, supposons, puis là, <laughs> quand il devient, <quand> il, <laughs> il va seulement... <laughs> Dans les airs. Elle va continuer. Éric <laughs> ouais. Emmanuel Schmitt aurait pu faire un, tout au plus une nouvelle là-dessus, je pense, mais il est trop occupé oui. à se faire des lavements. Ouais, il est, ouais. Je pense qu'il est trop occupé à être l'amoureux de ses dames. Ah oui, de ses ce dames. C'est un tombeur. Moi, je pensais ah que c'était. Ouais. Il est, est, tombard, oh, moi, il est aux, hommes, hein. aux femmes. Oui, il est euh... aux femmes. Oui, il aime la, la femme. femme. Son, ah, dernier, ouais. son dernier film ou livre, c'est sur la femme. Ah, la femme. Mais c'est toujours un peu là-dessus. La femme, c'est cool. C'est cool, les femmes. les femmes. As-tu un deuxième conseil? Is um... It... Un <laughs> catou, pas ça sert pas juste à décorer son corps. C'est bien la mode en ce moment. Il y a bien du monde qui se font des manches euh, japonaises avec euh, des petits poissons. Ils trouvent ça bien beau. Mais moi, je trouve ça un peu poche parce que ça veut rien dire. Fait que, tant qu'il y a ça, faites donc quelque chose qui est significatif pour vous. C'est sûr que vous allez vous faire poser des questions tout le temps. Comme moi, eh, c'est quoi un dragon dans un wagon? c'est qu quoi, quoi un veux? dragon dans un wagon? Ben, c'est ça. Je le sais. Je me fais poser des questions, mais c'est pas grave. Puis euh, Au moins, si j'aime ça, c'est beau. Je vais l'aimer toute ma vie. Ça passera okay. pas de mode. Les écritures japonaises, je pas beaucoup, moi personnellement. Non, personnellement, mais tu vois, c'est pas... encore la mode malheureuse. Ouais, ça va passer éventuellement. Ouais. Bon, mais ça, c'est de quoi la mode qui va rester tout le temps. Ça va, de... ça va à l'encontre déjà un peu. Effectivement, mais, mais bon. les signes chinois en tout cas, c'est sûr que c'est une écriture millénaire. Hein? On ça, ah, se cache oui. Pas, oui, vu là, ça, ça, pas, mode, pas. Vu comme, comme ça, ça passe pas de mode, mais en raison. même temps, ça peut être. Ça a fait chinois. ses preuves dans le fond féminin, c'est bon. Ah oh, ouais. <laughs> okay, a... bon, ça. Si quelqu'un veut un dauphin, je vais y faire là, avec ouais. beaucoup d'amour puis d'attention. Si le dauphin c'est important pour lui. Un squelette de dauphin en feu. <laughs> oh ouais, j'aime ça. Hey, on a de l'inspiration ici. écrit genre fuck les dauphins en japonais. ce oui, ça tantôt beaucoup. Oui. J'ai fait un dans shark attack il y a pas longtemps, c'était okay. un requin, c'était écrit shark attack. Mm. C'était bien le fun. Pourquoi pas. pas Ouais, une sorcière aussi. Ta... ta tatoueuse ne te juge pas. Non, c'est ça qu'on. Moi, a. moi je ouais. vous juge pas, mais non, faites bon. quelque chose qui est important pour vous, pas Par contre, juste parce que c'est ouais. cool. Non, c'est vrai, mais tu nous informes, c'est bien. Ouais, Est-ce que est tu ça. pourrais comme être la première tatoueuse qui refuse formellement de tatouer quelqu'un si c'est pas significatif pour lui en lui faisant des leçons de vie Ferais-tu une croix gammée dans le front de quelqu'un Non. Non. Mais non, mais j'essaie de guider les gens. Tu vois, comme mon beau-frère me demandait le nom de ses enfants en signe chinois, je dis ben sais, tu peux le faire autrement. Je peux, je peux te le mettre dans un tribal puis ça va être plus beau. Tu sais, il ouais. y a comme façon de, d'un peu faire changer les gens d'avis puis de les emmener vers quelque chose. C'est quoi le qu nom dit. de ses enfants C'est cute ou c'est lettres? Mode et... et euh... Ah bah ben, mon c'est beau. Bon, oui. Elise. Oui. Yes. Ah, Elise, bon, c'est un peu. Euh, Elise. Elise. ah Elise, c'est correct. Moi okay, ouais. bon. Graveline. La... Graveline. Ouais. Ça ah. c'est un peu moins con. Cool. Ouais, graveline, on est moins <rire> sûr. <laughs> c'est vraiment la, la, la ouais. fin d'une de c'est la fin d'une du, en bas d'une falaise. Ouais. <laughs> graveline. C'est la graveline. Ouais. C'est ça. T'as de la graveline plein souliers. as. C'est ça. C'est ça de la graveline plein souliers. Non c'est. T'as de la graveline dans le crayon. Moi maintenant que tu suis boulimique, me ferais-tu un tatouage de cotte barre de hamburger Helper par exemple? C'est significatif pour toi, oui, mais je pourrais t'emmener vers quelque chose de. Tu sais, moi, juste la, la petite main de Murray Helper, c'est plus. Tu sais, que trois doigts Oui. Euh, qu quatre. Quatre, quatre ouais. ouais, ouais tu as fait ouais, un peu de, de Windy. C'est juste pour comme. Mm -hmm. ouais. C'est pour ça qu'elle finira toujours second contre le petit bonhomme mm -hmm. est anatomiquement anormal cette main-là. Je... Ouais. je peux <laughs> difficilement ça, me, me défendre. J'ai quand même un tatou d'une cantine de B en très gros sur mon bras. C'est cute, ça. Ouais, c'est cute, mais c'est quand même. Une cantine à Grambay. Ça reste une cantine. Ouais, mais ça, moi, je ouais. pense qu'un tattoo, ça peut être aussi juste pour... qu'elle va toujours te rappeler cette époque-là. Époque ben oui, que beau, ben oui mais c'est pour ça. Moi, c'est ça. ça la, la, la principale C'est pour me rappeler mes, mes nobles origines grambiennes. Ben, c'est ça. C'est ça. Bon, c'est bien. Ah. Il y a un zoo là-bas. Donc, ouais, tu, deviens, tu ouais. deviens forcément doublement divertissante lorsque tu es nu. C'était ma seconde question. Probablement. Ouais. Le, On va garder un peu de mystère, s'il vous plaît. Il y a le plaisir, ouais. mais en même temps, c'est oh, oui. une histoire. Ben oui, es une exactement. Histoire. Ah, ben oui. Il y a plein de choses que vous ne voyez pas. Plein d'espace. Ah, ah, oh, oh, oh. oh. ouais. Continue. Ah. Oui, euh, les tatoueurs, c'est est <laughs> des artistes, OK? C'est du monde qui wow, aime se wow, dessiner. Ouais. C'est aussi des, disons-le franchement, des plots à cache, d'habitude. Okay. C'est bien connu. Pas c'est des artistes, donc faites leur confiance aussi. Puis chacun a son style, donc allez voir la bonne personne pour la bonne affaire. Si tu veux un portrait, puis que tu vas voir quelqu'un qui, qui est pro dans les fleurs, ben ça risque d'être laid. Mais c'est normal. Okay. Fait que euh, magasiner, c'est le fun. Magasiner. Ouais, il, les peut pas il peut pas tout dessiner maintenant, non Tu peux mm. tout dessiner Non. Non, il est ben, pas capable. Tu peux tout dessiner, mais ça sera pas tout beau. Non, mais genre, chacun genre, a son style. Dire, aussi, puis c'est ça ouais. qui est le fun. C'est vois le style de Sophie, par exemple J'en ai pas les encore. Cantines. Ça fait pas assez longtemps que je tatoue pour avoir okay. un style, je l'avoue bon. humblement. Bon, ça va venir. Moi, je m'adapte au monde. Bon, ok, ça. bon, c'est bien. C'est ma philosophie. C'est ça, c'est bien ça. Ouais. Sinon, euh, c'est du monde un peu bizarre, les tatoueurs aussi. Ah. Ils sont pas ponctuels, ils euh, annulent souvent dernière minute. Si tu leur manques de quoi, ça va être fait deux heures avant, mais pas deux semaines avant. Fait que tu faut, il faut, faut, faut dealer avec eux, okay. mais il faut leur faire confiance aussi. Ouais. Mais c'est du monde un peu bizarre fait que Surtout qu'il marque ta chair sanguignolante avec une mine une mine d'autant plus euh, okay. ouais. Ouais. une ça mine en métal C'est il ouais. ça, ça, ils font ça, ça à, à défaut de faire autre chose dans le fond. Ouais. Ouais. À défaut d'utiliser un couteau puis couper des morceaux de peau sur des gens. Ouais. Genre. Ouais. C'est ça que tu ferais toi Non. Continue. <laughs> La question classique, ça fait-tu mal Ouais, Chris, ça fait mal. ça fait mal. Quel okay. endroit fait, fait particulièrement mal Moi les côtes, ça m'a tué. OK. Ça ah. m'a vraiment achevé. Qu'est-ce que c'est les côtes Un de gros tatou pirate. Un pirate. Un pirate. Okay. Bien, plein de choses, de pirate. Ok, ok. Ouais, c'est ça. Mais ouais, un les pieds, il paraît que ça fait bien perroquet. mal. Non, je n'ai ces choses-là. C'est tout le reste, mais pas ça. Ouais, ah, bon. <laughs> J'ai quand même okay. une épée, un une fusil. Euh... Non, non plus. Euh, en tout, tout cas, fait que ça fait mal. Vous ne pensez pas que ça ne va pas faire mal, ça va faire mal, okay. mais ça dure le temps que ça dure, Puis après, quand c'est fini, c'est fini. Puis euh, l'intérieur des, des lèvres, ça fait -tu mal. Sûrement. Tu serais tellement à l'aise de faire comme. Hey, ouais, c'est laide, C'est Ça fait pas ça. Non. non. Je parle pas à quelqu'un qui m'écoute qui fait ça. je juge tellement les mais... gens. Ouais. C'est correct. Ouais. Votre tatoueuse vous juge. Ouais. Continue. <laughs> ça se regrette aussi un tatou. Mais si tu l'assumes quand tu le fais, tu le regretteras pas. Fait que tout le monde qui me dit « Oh, mais là, là quand t'as 50 ans, là, tu, tu vas pas être écœuré d'avoir un dragon qui sourit sur ton bras. » Mais non, parce pas que vraiment. je l'aime. Ouais. Oui, ça les... va être significatif toute ma vie. Ça va toujours être mon livre d'enfance. Tu peux je... rajouter comme « Fuck les » au-dessus. Ça fait « Fuck les dragons ». Voilà. Dans des wagons. De <laughs> <laughs> toute façon, c'est chouette. On va tous être une génération de grands-parents tatoués. Ouais. Oui. C'est vrai. Hein? On a des livres de sociologie. Si Guy Corneau n'est pas mort du SIDA, il va écrire euh, un jour Ces euh, hommes, ces euh, grands-parents tatoués <laughs> ouais, <ses> grands <laughs> avec des cœurs. Ouais, ouais. ouais. J'aimerais bien ça faire un bibliothèque. Je vais faire un doctorat là-dessus. Peut-être. Sans doute. On ouais, t'encourage à le je... faire. Merci. Mais fais la dernière minute, par contre. OK. Mais, il, il il reste pas, pas de minute? problème. <laughs> Non, il me hein? reste combien de temps? Je n'ai pas de ah, soucis. Non, j'ai dit, fais ça à la dernière à minute. Ah, oh, okay. oui. oui. Je, je, oui je en non, non, il te reste 6-7 minutes. Là, oh, shit. Ou, là, j'ai pas de temps plus. de choses à dire. Non, non, il va dire 2 minutes d'abord. Bon, okay, merci. OK, je vais me dépêcher. Oui, <laughs> euh, ouais, fait que c'est ça. Faites-le pas si vous n'êtes pas convaincu. C'est correct de prendre son temps et de ne pas, de pas être sûr. Mais puis mettons, comment pratiquement parlant, là, trouver des idées? Là. Ça m'est déjà ouais. arrivé, j'avais l'argent. Tu disais, je vais me faire tatouer. Je me disais, ce serait le fun, pourquoi pas? Ouais. Mais aucune idée. Aucune idée? Mm -hmm. ben, parce que t'en veux pas vraiment. T'as pu te faire tatouer mon nom, Nicolas. Non, non. ça pourrait être le fun. Il me semble il pas d'idée. Un gros ben, dans le dos. Dans ce temps-là, tu vas sur Internet. Maintenant, il y a même un truc super cool, c'est Fuck it, Tattoos, c'est un Tumblr. Puis, il y a vraiment des trucs super originaux puis il y a pour mm. tous les goûts. Fait, en même temps, c'est plate de dire, oh, je vais magasiner de quoi parce que je ne sais pas quoi faire. Ouais, moi, j'essaie de, de, de penser moi-même, d'aller dans le processus. Ouais. Qu'est-ce qui mérite ouais, d'être imprimé ouais. sur ma peau? Bah, ça ça me semble, ça fait partie de l'affaire, un peu, ben de la retrouver soi-même. Ben c'est ça, moi, c'est parce que d'un côté, c'est des trucs de ma vie là, qui ont Soit... été importants dans ma vie. Puis l'autre bord, c'est des trucs artistiques que j'aime. Mais... Ah, deux faces, ouais, deux de, de me donner une très très bonne idée. je te l'offre parce que c'est pas ce que moi, je vais me faire tatouer. Je vais te tatouer, <laughs> tatouer un jour. Mais je trouve une bonne idée de tatou. T'as pas vraiment d'intérêt pour les tatous. Tu veux pas marquer ta chair d'un un tatou? Ce que ça te prend, c'est le petit symbole euh, de Ghostbusters, mais pas de fantômes sur le bronze en hein, quelque part. Donc, tu n'as pas de tatou ouais, sur ta peau. Okay, okay, ah, c'est ouais. un anti-tatou. Ouais, c'est comme anti-toi-même. C'est comme négatif, tout, ça, un peu. Oui, je l'aime ça quand c'est négatif. En ah, ouais, même temps, c'est quand ça. même quelqu'un de chialeux, fait que ça peut aussi... Non, ça, c'était une passe, puis c'est fini. Hein. Ah, okay, excuse. Il y avait ses règles. C'était la fin de, de okay, ça. OK, c'est passé. Je trouve ouais. mon idée bonne. Ouais. Ben, fais-la! Ben, papa, non pas t'as fait... ben, ouais, bon ouais. ta face, par exemple. Tu le non, non moi, Je, je l'ai déjà, l'idée, tu sais, j'ai une autre idée, moi. moi ah, je... c'est quoi? Ah. dis, la dis-la. Je peux avoir plus qu'une idée, hein, tu sais? Non, mais <laughs> j'en veux juste un, j'en veux, ah. veux juste un, parce que je veux, à chaque fois que je pose des yeux sur lui, avoir une leçon euh, de vie, tu sais, une leçon mystique, euh, une c est, c est, charge quoi, occulte. C'est quoi, quoi le tatou C'est un symbole euh, voodoo haïtien, déjà, en général, c'est un sale blanc. Donc, ça, euh, les, les blancs, c'est bien connu, ne vont pas se faire tatouer des, des symboles voodoïques. On appelle ça des VV. Okay. Ce sont des symboles traditionnels qu'on fait sur le sol ou sur les murs de briques lorsqu'on pratique le vaudou. Ah. Ce que je fais sur une base régulière. J'en je, doute pas. pour oui, guérir genre. mes problèmes de boulimie. <laughs> Avec le vaudou, têtes de ouais, poulet et de la poudre blanche. <rire> <rire> non, mais les têtes de poulet, ont, euh, ça, ça c'est parce qu'essentiellement, c'est une richesse euh, que, les, que, les, que les Haïtiens eux-mêmes ont en leur, en leur pays. Ah, d'accord. Donc, c'est tout type de richesse. Ça, exactement. Ici, euh... ici, évidemment, le sacrifice de choses à sacrifier qu'on doit faire va être. Autre chose n'ont pas du poulet. Ouais, faut, euh, ça te euh, rappelle euh, ouais, le constamment que tu un sale blanc en plus. Ouais, mmh. Oui, exactement. Ouais, ouais, ah, J'ai l'intention de me rappeler que je suis un es sale blanc. Tes nobles origines de ouais, sale ouais. blanc. Je, je te un... regarder aussi le reste de ta peau, aussi, pour te rappeler ça, si tu veux. Co... <laughs> je suis un sale colonialiste. Oui, aussi, oui. Ouais, ouais. ouais. Je te laisse. Euh... On a là. un, un, un lourd bagage. Mm -hmm. ouais. Je veux juste saluer Benoît, les mystérieux étonnants qui nous écoutent. Salut Benoît! Salut Grâce ben, temps, vas je laissé. Qui ben. va, spoiler alert, qui est supposé venir nous visiter à, à, oh. à des dans deux semaines. Dans deux semaines? C'est bien cool ça, Benoît. Ouais. Ah, je veux venir faire de la radio avec Benoît, ça ben, va? Être ok, bien, t'es d'abord. Oh, ok. <laughs> je m'invite un peu. Hein. Non, c'est pas grave. <laughs> <Je m> c'est <'excuse. rire> comme ça que ça, ça marche. <laughs> c'est fait. Oui, ouais. puis euh, finalement, je vous avertis, c'est vraiment addictif. Fait que quand tu te fais un tatou, tu as le goût de recommencer. Ouais, c'est ça, c'est comme tuer. <laughs> Pareil. <Parait. rire> c'est ça, ouais. nest pas? Ouais, c'est comme Et Français tu as compris tout de suite ce que je voulais tout dire. dire. C'est comme ça. Ouais, le blanc de humaine Mais quand t'as comme. Comment ils appellent ça? Un killer boner ou je sais pas quoi. tu ouais, as Ton érection que t'as en as, tuant, as, supposons. Après ça, tu veux toujours la ravoir. C'est vrai. Même si c'est des c'est n'importe quoi, euh, quoi. Et... tu peux pas regarder le même film porno dix fois mané il, ça marche plus même deux fois c'est rendu limite mais je pense que même le killer bonner ça peut arriver qu'à mané tout de suite puis ça ça veut pas tu sais ça, ouais. ça se passe, ouais. ça se passe, ça se passe souvent ça ouais. une, une phase d'introspection là qu'est-ce qu'est-ce ben, se es ah ouais, ouais ils ont des familles putain. en fait euh, les tueurs en série généralement quand ils cessent d'avoir les bonner killers comme on les appelle généralement ils défèquent <laughs> ouais. <laughs> ouais non mais c'est très, euh, très très vrai ils défèquent dessus non en euh, fait ils font un petit kéké à côté parce qu'ils sont absolument. C'est même bizarre, la dernière fois que j'ai tué une ouais. femme, j'avais une érection, mais là, j'en ai plus. Puis la frustration et le plaisir sexuel en même temps qu'ils ont, ouais. mais qui ne les mènent pas à l'érection, font qu'ils défaquent. Ah bon Défaquent hors de contrôle ou ouais, a... hors, de contrôle. A... hors de contrôle. Il y a deux, 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 deux voies possibles. après ça, deux... on ne peut pas comme analyser le caca sur le lieu du crime et trouver c'est qui le gars. oui, il y a de la là-dedans. <laughs> c'est d'autant plus étrange. pour ça qu'ils emmènent une petite ouais. <laughs> pelle, un petit sac. C'est d'autant plus étrange que <laughs> d'habitude, ils ont honte après, fait qu'ils couvrent le visage et les organes génitaux de leur femme. C'est un ah bon? Ah. Ouais, c'est ça. Le petit Vous l'avez appris ici, folks. Ouais. Voilà. Alors voilà, on continue avec Offs Hot Springs avec Annie Man à décidé. Salut, ici Pierre Bertrand. Et euh, Prière de ne pas déranger. J'écoute Décider Y'a Breton? C'est quoi Et nous écoutons des si et des Hey, c'est quoi nous écoute Sophie, comment se porte le Twitter Ben, un peu mou. Un peu mou? Un peu mou. Dans ce cas suis En parlant de mou, Francis, avec nous, comment va-t-il? Ça va très bien, Thomas. <laughs> mais toi oui, voilà, mais non. C'est une excellente entrée en matière. Eh, mais ça, Julien, oui. J'en ai de meilleur encore. Moi mm -hmm, La dernière fois que tu es venu, euh, j'ai lu quelques-uns de tes statuts Facebook. Ah oui? Puis euh, depuis 8 que ça fait quoi? Un, deux mois que tu es venu, peut-être? Bien, euh, la, la, sur... la source, c'est. Euh, euh... Tari. That's bah, that's non, c'est l'inverse, Ça, c'est comme. Rempli. Rempli. Voilà, voilà, voilà. <laughs> voilà, la voilà. Voilà, <laughs> source. Ça et t'as des nouveaux statuts Facebook et encore une fois je vante la qualité de tes statuts Facebook je te remercie c'est pour ça que je lis pas ceux de Sophie ils sont plates à mort mais tu sais c'est les tiens Sophie c'est pas vrai tes statuts Facebook sont hilarants Sophie merci alors voilà alors des statuts Facebook de Francis Ouellet des derniers temps en fait un tout frais de ce matin je me trompe pas un tout frais tu veux vraiment parler de mes tout frais du matin c'est toi qui en parle Francis ouais t'es pas mal je vais pas les chercher dans ta tête là tu sais je vais juste sur l'internet <laughs> euh, ton... Je me rends pas compte quand je fais ces choses-là. C'est Wet... des déjections. Wet dream improbable et véritable. Je dors dans le même lit avec Sid Haig, Bill Mosley et Rob Zombie. Je réveille Rob, tu sais, Rob, parce que je suis horny. Intense séance d'amour mâle, mais Rob veut rester discret. Faut pas réveiller Bill et Sid. Sérieusement, je perds patience et j'entends bien ne, ne, la lui rentrer d'un seul coup. Mais non, Rob veut que je mette une capote. Hey, Zombie, j'ai pas envie de me faire conscientiser dans mes songes sacrément. Ouais. Rom Zombie voulait que vous pratiquiez l'amour. Euh, non, non, non. Ouais. Ben oui, tu sais, regarde, quand c'est rendu qu'il faut que tu mettes une capote pour baiser dans tes rêves, ça pas ouais. mal irritant. Je suis d'accord avec toi. Non. Pas le chat qui est irritant. Ouais. Ça m'a me... irrité. Moment <laughs> au magique d'automne. À plat ventre, face contre terre, ah. encapuchonné, là, de la bave coulant de ses commissures et en face du marché Maison Neuve, on croyait qu'un homme était mort. Es-tu mort, dudes C'est pas le cas, tu as besoin d'aide Il se relève la tête tout à fait normalement. Non, non, non tout non, va bien. <laughs> on a fait nos courses avec le sourire. Ouais. <laughs> Au marché maison-là, bien sûr. Non, mais il était juste là, là. Non, il était couché terre. Posé. Face contre terre. Oui. D'or là. C'est Marcel Leboeuf est le nom le plus rugueux et boisé du monde. Tout de suite après Edouard Carpentier. Oui, oui. Moi, j'ai un ami français qui me dit, « à check le mien, Olivier Dubois. » Ah, bah oui, voilà. C'est assez con quand même. Et toute sa famille, j'imagine. Ben, écoute. ils ont des noms d'arbres ou de fruits. Un petit théâtre, vu que Sophie est là. Euh, « J'aimerais pouvoir rire. La création collective familiale mise en scène par, euh, par Lucie Laurier va aux racines même du psychodrame antique sans inclure le moindre batteur de femmes assassins. Elle s'assoit souverainement sur son nom de famille, Lucie, et elle y a droit. » Oui, elle a droit elle <laughs> oui, 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 Et moi, de, après de chialer, de dire que j'ai vraiment pas aimé ce show là. Bon, voilà. Moi non plus. Non, ah, t'as changé d'idée, parce non, que j'ai pas, pas aimé ça. Vous l'avez hein. toutes pas aimé. j'ai pas aimé ça pendant tout. Bon, d'accord, bon, bah. Tu penses que ta journée est weird, hein? Check this out. Au matin, faire un déménagement épique avec quatre brutes viriles en grognant. Au soir, faire des émissions de radio sur des petits animaux avec des pouvoirs magiques et les, délic et dé et les délices de la baisse pendant les menstruations. J'ai fait une émission là-dessus, hein, ouais. ici. La nuit, faire un wet dream de la mort inexplicablement vicieux avec Linda Lemay. Ouais. Dop that, motherfucker. <laughs> Dop that, motherfucker. Ouais. L Linda Lemay, par exemple, euh, comparativement à Rob, c'est une crise de chienne. Oh, ouais, ouais, a, de, là, ben, ben, dans les rêves, dans mes rêves. Non, on a on compris. Non, rives, ouais, ouais, ouais. Est <laughs> là, on <t 'en> avait <laughs> un autre encore de, ouais. de, de couchage avec exubérant. Ouais. Je l'ai pas gardé. Mais <laughs> non, mais attends, je veux dire <t 'es> contre <laughs> les dolomies, c'est pas une crise de chien, Je veux dire dans mes rêves. On avait compris. actif dans tes rêves, c'est C'est récent. Non, c'est connecté à la boulimie. Ah. Est-ce que, est que des fois ben, tu fais des wet dreams littéralement parfois ou tu tu, tu veux comme... dire que j'éjacule pendant mes rêves? Ouais ouais. Mais ben pas... non, quand je dis wet dreams, c'est un... non ça, je comprends que tu ouais. pas as pas venu non, réellement. Dans les oui trucs, oui oui. Mais je parle, parle Est-ce que c'était déjà arrivé de faire des wet dreams parfois? Ou... Tu, tu veux dire que je viens dans le rêve? Non dans la vraie vie ou dans, la... <rire> dans, dans <rire> les deux là, dans les... les deux se rassemblent. Non, tu fais un là, rêve, rêve érotique puis là tu viens dans la vraie vie. Ah, oh, tout le temps! Ah, bon, on a Quand même. <laughs> dis wet <laughs> c'est ça ouais. que je veux dire. C'est C'est des vrais wet, dream. oui, 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 ça, ah, des wet là, dreams. Ouais, okay, des... ouais, ouais, c'est ça. Ah, fait que là, OK, fait que vraiment ton wet dream de Rob Zombie, tout frais de la matinée, on, on le rappelle. T'es oui? venu dans ton lit, littéralement? Ben, je me suis rendu compte ce matin. Euh, J'aurais ouais, a... pas cru? Ben j'avais ce qu'on appelle le, le liquide séminal le SMEGMA. Ouais, ouais. Ben non, pas le SMEGMA. Non, hey, je, tu vas pas me piéger. <laughs> tu vas pas me piéger. j'avais ouais. répondu comme un con le SMEGMA, non, non, le, le SMEGMA, c'est la malpropreté qui fait ça. Je parle de précom. Ouais. Ah, ouais. J'avais le précom pas de SMEGMA. OK, ah bon. Alors précomment votre. Et en terminant, un petit <laughs> dernier rapide que j'avais bien aimé. Pas juste Jésus, King Kong aussi est mort pour vos péchés, Chris. J'ai parce que ça ça, ça, ça ça relativisait la religion. Puis ça mettait même euh, sur un piédestal le cinéma comme une religion aussi, un peu, si, on le, si on le désirait. Oui. Oui. J'avais aimé ça. Pour une fois, il y avait un peu de profondeur. Ça, ça, ça ça C'est comme remercie. une façon non, bon. de, de, de remettre... Euh... Tu toutes les théories de « est-ce que l'homme vient de Adam ou des animaux? » Ben, regarde, King What? Kong. C'est ouais. tout. tout ah oui, puis il était, il était crucifié à Broadway, en plus, dans le film. Euh. Oui, tout ouais, à fait. Tout ce, que dire, hein, ouais. tout ce que vous venez de dire est Particulièrement euh, pertinents. Ils sont rassembleurs, tes statuts, euh, Francis. Ils je sont vous en, vraiment voilà. pertinents ou voilà. pertinents, je trouve? Et euh, délicieusement impertinents parfois aussi. Non, Alors euh, voilà, c'était les statuts euh, Facebook de Francis Ouellette des deux derniers ah, mois. Alors je me Francis. me sont vraiment, vraiment, vraiment touché hein. On fait ça à tout le monde, s'il y a des ah, Sauf moi. Sauf Sophie. Ils sont passés en flat, pas les ça. Moi, je n'en fais pas. une n'a pas de statut Facebook. Oui, bien sûr vas-y Francis ah tu veux que je m'exprime euh... non ça c'est une chronique là ah je fais, je fais ma chronique ouais bon j'ai décidé de parler d'ego de théâtre et de boulimie j'aime ça je me suis rendu compte en fin de semaine que j'étais boulimique après euh, m'être euh, débattu contre des démons là autour de cette thématique là je bois et je mange comme un boulimique là. je veux ouais. dire j'ai absolument pas de fond ben, je vomis pas mais par définition un boulimique ce que ça fait et je m'en suis rendu compte que très récemment c'est que ça connaît tout le temps les offres de la faim mm. tu viens de bouffer comme un porc et euh, tout de suite après tu ressens ton ventre qui gargouille tu cours constamment après l'appétit. Donc je me suis rendu compte de ça, je me suis dit c'est probablement connecté à un problème d'ego ou euh, quelque chose qui qui a rapport avec mon passé, tu comprends mm -hmm. Puis quand tu descends comme ça dans l'analyse de ton ego, fondamentalement, tu trouves des bébites. et euh, ce qui est important et tantôt on parlait de mon ego, tu, dis, tu disais tout à l'heure qu'il était euh, la seule chose qui plus gros que mes bras, oui. c'était c'était mon ego, euh, mais en fait, ce qui est drôle c'est que mon ego euh, c'est euh, c'est pas pour ça, c'est pas pour rien que ça s'appelle les Legos. Ah, oui. les, 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 les Legos hein? c'est un jouet où on construit et déconstruit euh, vraiment au ryth à son rythme ouais. euh, des structures on peut suivre le plan ou non ben, l'ego c'est comme l'ego pas de L c'est oui. quelque chose qui se construit ah. et qui se déconstruit à partir de l'enfance et on n'arrête on jamais de vraiment jouer avec l'ego mais l'ego frégo admettons ça ouais. régal, non, régal ça. égal égo ah, c'était ça que ça voulait dire. Exactement. Il disait tout le temps trop vite Il dans les annonces. Regal, régal, go, go. Je, je comprenais pas. pas. Ouais, je comprends ce qu'il disait. Ah, ah, ben régal, pas. égal, égal. Même ouais. les gaufres égaux sont reliés à l'égo. Ben voilà, les, vous l'aurez ici. ici. Les gaufres égaux, euh, euh, en fait, le, le tagline des gaufres égaux met en question justement les dangers de l'égo, ah. de s'y perdre. Régal, égal, égo. Ah, hein, mais si tu t'en régales trop, comme un Christ de gros boulimique, t'es dans la marde. Hmm. Puis y a différentes façons de manger des gofrégos. Moi, j'étais super cartésienne, j'ai mangé vraiment par carré. Ouais. Fait, oui, 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 oui. Ben, je fais tu encore des... Le... Je fais des bateaux des fois. Encore, ouais. à... jusqu'à la semaine passée, je fais un bateau dans ma gofrégo. Ah, t'as fait ouais. ça toi Ouais. ouais. Fait que je me suis dit que euh, je... c'est une bonne chose lorsqu'on justement, on... son ego est quelque chose de flou et de... de... Non, en fait, de quelque chose sur lequel on s'est beaucoup trop arrêté, de le déconstruire. Euh, je vous conseille tous à la maison de faire l'exercice de la g... déconstruction de son ego, généralement en se positionnant dans des situations d'humiliation. Mmh. Ah, c'est toujours, toujours une bonne chose. Mais en fait, euh, je me disais que justement avec euh, tes capsules extrêmement pertinentes de Lucky Luc, tu fais vraiment un, un exercice très profond de déconstruction de toi-même en te projetant dans quelqu'un d'autre qui n'est pas toi. Euh, et ça, c'est régal égal égo oui. Ce n'est pas le cas. C'est tu, tu sais, la déconstruction de l'ego comme il faut le faire. C'est du théâtre. Tu par l'humiliation. Tu tu par l'humiliation. Humiliation. humiliation ben, J'avouerais que moi, avec mon, euh, mon pyjama de Buzz Lightyear. J'étais pas sûr que je l'avais traversé la ligne là. C'est ça. J'avais vraiment peur, pis j'étais comment je vais le mettre dessus. Parce, tu veux pas, faut pas traverser la ligne que ça devient pathétique ou que ça devient euh tout, 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 Je veux pas me mettre euh, tout nu devant tout le monde dans un liquide mon héros pour faire rire. Là, ouais, je comprends. Faire autre façon. Tu vois, je vais euh... t'offrir justement cette anecdote de comment s'est passée ma fin de semaine, qui fut un exercice de déconstruction de l'ego que j'offre à tous les auditeurs comme ça. Euh, justement, un petit peu comme le Tout frais du matin, Tolu. Oui. Euh, c'est intéressant. Quand tu te rends compte que t'es boulimique, t'es es, es, es confronté évidemment à toute une partie de toi-même et à tes drames intérieurs. Fait qu'on m'avait proposé de, de jouer dans un vidéoclip de Death Metal. Ah. Pis je me suis dit, ah, je vais aller jouer dans le vidéoclip de Death Metal. T'as Oui, ouais, j'ai joué dedans. c'est cool. Mais finalement, j'ai décidé d'y participer. Et voilà ce qui s'est passé durant la fin de semaine. C'est quand même assez ça m'a aide, ça aide, ça aidé justement à faire la déconstruction de mes bébés de personnel. Je recommande à tout le monde de faire ça. De jouer dans un clip jouer de jouer métal, de, ouais. ouais ah, ben pas tout le métal des blogs de... si vous voulez. J'aimerais okay. ça, moi. Ouais. Ah, okay. De faire quelque chose je, qui je pas est... pas a... dans cette clip, je trouve. Ouais, Il oui, semble. oui, Il semble. Semble. oui, c'est d'accord. Oui. Du moins de faire quelque chose qui était un peu probable que tu fasses dans ta vie et qui ouais. risque d'être profondément humiliant. Hmm. Alors, la première journée de tournage qui se passait essentiellement, c'est que des gens encagoulés, habillés en noir, euh, me battaient avec <laughs> des bâtons <laughs> télescopiques okay. et j'avais une très, très mince euh, protection de joueur de baseball. Ils ont frappé pendant essentiellement une heure et très très fort. Peu importe, okay. comme je le disais, de ne pas frapper. Ça fait, ça m'a coupé le souffle. Est-ce qu'il est qu y avait vraiment une caméra là Est-ce oui, que oui, c'était oui, un. Okay. un... Okay. le voir sur, sur l'Internet. Il, il va être dessus sur les Internets. Donc, oui. l'on me battait. C'est quoi la. peux nommer le, le. Pas pour l'instant. Ok, d'accord. Pas pour l'instant. Ça, ça s'en vient. C'est un groupe de métal français. Ok. Euh, qui a commandé un réalisateur québécois de, de faire la chose, un okay. très bon réalisateur québécois. Surtout que j'étais dans une maison où il y a essentiellement une quantité énorme d'images de torture, de démembrement ah, le fun, ça. Euh, et de têtes arrachées. Et euh, déjà, tout était truculent là, à la base. J'étais dans la truculence pure. J'étais dans le mood. Ah j'étais oui. dans le mood déjà. Fait On me bat. On bat à grands coups de pied et à grands coups de... de, miam, de... Miam, miam, miam. Et j'avais mal. J'avais mal et j'étais humilié dans ma masculinité, tu comprends. Mm. Ouais. Mais en même temps, je me disais, ben, tu vois, cette, cet exercice-là, ça enfin de la déconstruction. Il y a quelqu'un qui drêle en plein milieu de la crise d'émission. Ouais, c'est ben, comme, ce ouais. comme ça à l'UQAM. Ah, ouais, ouais, ouais. Mais bref, je me fais battre à coup de, 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 de. Et là, hey, mon Dieu, c'est comme post-traumatic stress syndrome. Ça ouais. me ramène à des années de secondaire. Pas des, des... Ah, okay, non, on des. Ok, donc continue. Des années de <laughs> secondaire. Moi, ouais, j'en ai tué assez manger des au secondaires. Moi, je mangeais des là C'est pour secondaire. ça comme t'es es bâti, tu es comme le, le frère dans les holo. Non, c'est parce que je suis boulimique. <laughs> c'est bon, ça. Puis le... oh, là, il te bâtit, puis là, il... Puis il se fait péter à gueule. c'est triste, Je, triste je suis lourd. encore un peu... En mangeant. En mangeant, en <laughs> fait du poids avec ses jambes. Il <laughs> poids avec ses jambes en mangeant des bines. Non, puis là, moi, tu sais, ça, c'est le post-traumatic stress syndrome qui me revenait, puis j'avais des flashs. Tu sais, tu comprends? Pis... Oui. Ouais, on entend le drill. Hey, je fait, pense qu'il qu va passer l'heure. Ben, Faites comme si on l'entendait pas. Fait que suis comme... Je suis pas bien, tu sais. J'ai les flashbacks de la souffrance du secondaire, tu sais. Puis en même temps, toute la boulimie. Là, là. Puis là, je décide de marcher pour retourner chez nous. Je me retrouve sur Notre-Dame, dans un endroit essentiellement où tout, tout est désert et où il n'y a que cuisine et euh, container. Ouais. Et qu'est-ce que je vois-tu pas, man? Un Lafleur. C'est bon, ça, les, les patates frites là-bas. Bon un Lafleur, il a rien, il a rien. Il a personne, il a personne. Fait que j'ai trotté vers le fleur Puis là, c'est là que évidemment la, 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 la crise de boulimie <laughs> oh my god hey, 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 je... il y avait un gros vide. dog supreme 4 veggie avec une poutine quel bord <laughs> un gros de <coke> diète, <laughs> seul tout seul là mais ça, j'imagine, tu sais, avec si vous se avec toi. Ah ben oui, euh, là, j'étais comme. Oui, c'est ça. Puis là, j'étais comme sur le bord de tu fondre en larmes parce que j'avais comme ah, les, les. Oui, oui, oui. J'avais le passé qui revenait. Oui, tu sais. Puis là, je fais. Comment ça fait que je m'empiffre comme ça? Ouais. Mais là, le lendemain, on avait une autre journée de tournage. Puis là, je me suis fait... <laughs> que, puis là, je fais. Je trouve que je savais violer devant tout le monde. <laughs> oui. Voilà, oui. Okay, c'est bah, exactement ce qui se passe. On a un bon clip, ça. Ah, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est. En, en fait, on a fait venir un spécialiste du cordage et du bonding. Ouais. Et on m'a déshabillé. Et euh, je, je, évidemment, dans ce vidéoclip-là, je suis un père de famille et je suis avec une mère de famille. La ouais. mère de famille est en fait. Une dominatrice ah, réputée. Ah, c'est bien ça. Une très belle femme. Laquelle, ça euh, Je ne peux pas te le dire. Ok, d'accord. Ah. Vraiment une femme fascinante. J'ai passé la fin de semaine avec elle à parler de sounding, de fist-fucking. C'est ouais. quoi la limite du fist-fucking Parce que ses clients vraiment s'en vont dans, ses, dans des zones d'exploration. De, elle a une série d'esclaves, et ainsi de suite. Ouais. Puis elle est magnifiquement centrée. Puis elle me parlait de tout ça, ses pratiques sexuelles. Ça Elle dire que c'est elle qui avait donné comme référence le spécialiste du cordage, des nœuds et du bonding. Mm. Fait que voilà ce qui se passe. Moi, je me retrouve en bobette. Elle, flambe nuit, elle plus, la plus magnifique poitrine du monde. On est okay. collés un à côté de l'autre. on On ne se pas lâcher. Et on, on nous corde, on nous corne jusqu'à ce que je, on soit fondamentalement plus capable de, de, de bouger. Et on nous met à genoux dans une pièce blanche, complètement vide, et on nous filme à genoux, nu, en bobette, euh, entre, le, le cou euh, penché. Et là... On, on nous met un, Regarde ça. C'est ça que euh, les circonstances et la vie t'offrent des fois comme symboles qui vont habiter dans l'inconscient pour l'instant de ta vie et régler tes problèmes d'ego. Alors moi, ficelonné, ou plutôt ficelé oui. comme un jambon, oui. à genoux à côté d'une dominatrice. Comme un de jambon, oui. Et voilà. Oui. À, à côté d'une dominatrice vraiment sexy, oui. on me met un entonnoir dans la bouche ah, bon, et on marque la tête et des gens qui sont rachitiques qui sont là pour jouer techniquement des sidéens oui. se, font, se coupent eux-mêmes les avant-bras oui. et déversent leur sang de sidéen en <laughs> quantité dans l'entonnoir okay. et là, savourer, chers auditeurs, euh, <laughs> la beauté du symbole, oui. t'es en crise monumentale d'ego par rapport à tes problèmes de boulimie et t'es flambant nu devant une équipe de tournage oui. à côté d'une nominatrice que tu trouves vaguement sexy et que tu t'inquiètes d'avoir des érections devant tout le monde. C'est gênant, ça, ouais. Ben moi, je, 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 je me posais des sérieuses questions. Ben C'est quoi les trucs pour pas bander pendant euh, ces situations-là? Moi, je serre très fort de l'anus. Ça marche, ça? Tu serres. Tu ne fais pas des, des, des mouvements de pression comme les exercices de Kegel, parce que ça, ça va généralement encourager de façon pneumatique ton érection. Ok. <laughs> tu, tu <serres. rire> Ça, très fort les fofouines, ouais, très, ouais. très très fort les faux Mais ah, avec okay, ce que t'avais mangé, la tu t'avais pas peur de serrer trop fort les fesses. <laughs> c'est drôle que tu dis parce que j'ai eu aussi vraiment peur de, de la flatulence pendant le tournage. Ça ça. <rire> Mais tu <laughs> perds sur une dominatrice là, c'est voir Tu direction. Ouais, surtout frère. que ouais. la dominatrice, elle, elle frottait ses mamelons sur les miens. Elle, de façon, on s'amusait, on avait du plaisir. Là, je me dis, comment ça peut être plus humiliant? Comment est-ce que justement je peux être plus humilié que ça Ben c'est une trace de break après. <laughs> J'ai tellement mis des bobettes foncées <laughs> okay. au corps. Ouais, c'est bien, tu hein? si pense à tout. Mais voilà ce qui sait se qu'elle s'est dit Ah, oh, il n'y a même pas bandé. Non, ben euh, est-ce que tu es, es encore à... belle Ça ira. Ah, <laughs> en cent pifran ou la fleur. Là. <laughs> Ça, ça, il y aurait probablement euh, pas dérangé. Il était attaché après moi, il a même pas bandé. Voilà. Oui. Je me dis, comment je peux finir l'humiliation? Comment je pourrais oui. être plus humilié que ça? Je peux pas vraiment, là. Je, je torse nu, je vais passer dans une vidéo, le monde va me voir torse nu. <laughs> oh, euh, on va aller le voir. On va aller le voir, on va aller le voir. Mais ça finit comme ça. Ça finit que la flaque de sang qu'on reçoit dans notre entonnoir, dans la bouche, commence à se répandre sur le sol. Et moi, bordel, je me dis, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? C'est que mes genoux flanchent. Et que je tombe, je me pète la gueule. et Ce qui devait arriver, arriva. À genoux que j'étais, j'ai eu mal aux genoux, j'ai essayé de me relever, j'ai glissé sous le sang, et je, suis tombé, je suis tombé dans la flaque de sang de côté. Mais, oui. mais à ce moment-là, je pensais que je, je fondrais en larmes. <laughs> Parce que il n'y a, a, a personne qui pouvait me relever avec mon poids euh, et me remettre à genoux dans la salle. Euh, et, et ils se sont mis à trois pour me relever, me mettre à genoux. J'ai fait. Ouais, c'est un peu. Ouais. Puis quand je suis rentré chez moi, euh... <laughs> de ma journée de travail. <laughs> ouais. J'ai un peu de sang sur le bord de la bouche. <laughs> voilà. J'ai. La vie, c'est du théâtre. Hein. Ah bah ben oui. C'est de la mise en scène où on déconstruit et reconstruit euh, sporadiquement son personnage. Je vous conseille tous, euh, une fois dans votre vie, quand vous vivez euh, vraiment des passes où vous êtes possédé par vos plus intenses démons, d'aller le déconstruire, genre en vous promenant tout nu dans un centre d'achat, euh, en faisant euh, peut-être l'amour avec quelqu'un de laid. Ah! <laughs> C'est peut-être la solution la plus facile, en fait. Ouais, ou ouais, ouais. <laughs> no, plutôt de, euh, de vous lancer dans la séduction avec des gens que vous saurez qui ne voudront pas de vous. Si soit t'es la personne laite avec qui quelqu'un fait l'amour pour euh, ses. <laughs> Pour rêver ben, son ego. Profite-en. Okay, toi Ça, ça passe pas si ça. d'accord OK, C'était mon anecdote. Oui. Merci. Ça me fait absolument <laughs> plaisir. Ouais, moi Oui. C'était vaguement truculant. Ça t'a plu? Oh, je m'aime. Ça m'a plu, vous dites, ça m'a émoustillé je, à fond. Je te la dédie. Merci beaucoup. C'est tout vrai, en Non, Une chance que Julien est derrière la vitre, parce qu'on verrait ses culottes serrées. Effectivement, ce serait très gênant. Non, je me tiens les fesses <laughs> serrées pour éviter ça. J'ai pris des bonnes notes. aime ça de faire attacher. Euh. C'est ça non ça ça dépend de la situation mais ça peut être Entre le consentants, ça peut être une avenue envisageable Tu vois c'est la seule fois que j'ai pas Julien Non non c'est ça au point on en est Moi c'est la seule fois que je me fais attacher par un professionnel puis je comprends ce qu'est le trill. Ouais Ouais je comprends c'est quoi le trill Bah je pense que ça fait partie de ouais C'est que les bons nœuds Ouais c'est la seule chose qu'on aurait vu chez moi le bonheur de la manière dont juste ça qui était un peu qui est adéquat parce que ne faut pas l'attacher parce que si tu viens en érection ça peut causer problème ça peut ouais exactement c'est ça c'était mon anecdote je l'offre à Dessier et à vous Dessier la reçoit les fesses écartées merci beaucoup merci beaucoup Francis c'était j'adorais ça très bon aussi non non des fois il faut profiter d'un espace public de radio pour parler de ses bébites Mmh. Oui, oui, Marianne le faisait avec brio euh, pendant, à l'époque. Moi, si Donc, tu veux, ça, à, ça, à chaque faut, fois que j'ai un problème existentiel puis j'essaie de le régler, ça me dérange pas d'en parler tu ici. Sais. Ben, moi j'aimerais ça. Non, non, viens, partir, viens parler. Viens nous partager ça. J'aimerais ça, Francis. on honoré. Analytique. Ouais, vraiment. Alors euh, Merci Francis. Ça en fait plaisir. Alors euh, Sophie, le Twitter, qu'est-ce qui se passe? Ben, Benoît là qui dit je suis là. <laughs> ah, Regarde, Benoît Tu vois, c'est de loin les plus d'interactivité qu'on a eu à date. C'est quand même pas si mal. C'est un bon début. Mais euh... si là, je suis là. Ben Benoît, il est même pas là de toute façon. Eh oui, il est là, il nous écoute. C'est pour ça que tu le saluais tantôt, c'est ça? Ben oui. Parce qu'il a dit qu'il nous écoutait. Ah, ben salut Benoît, on l'aime beaucoup, Benoît. Bon. Ben oui, voilà. Ben oui. Alors, euh, merci Benoît de nous écouter. Merci Sophie pour ta belle chronique. Tu reviens quand tu veux. Écoute, Toujours. on a eu beaucoup de plaisir. Il ne reste que deux D.C. des avant le break. C'est vrai, on s'en va en vacances, tout le monde. On s'en va en vacances, tout le monde, pendant près d'un mois. Alors, revenez la semaine prochaine, puis la semaine suivante pour vos deux dernières petites heures de D.C. des avec mon ami Nicolas. Merci, Nicolas, pour ta belle chronique. Merci, Julien. Ce beau creux de vague. Tu nous reviens la semaine prochaine avec Sauce 5, tu me disais. Oui, c'est le grand retour grandisant de Sauce 5. De quoi tu vas parler? Je vais faire le order que j'avais. Donc, ce char Eddy King m'a demandé l'humour ethnique. Oui. Tu l'as la... la pas fait, Quand ça Quand on rit non. des rêves. Bah oui, tu l'as fait, les mots rythmiques. tu parlais, c'est quoi euh... bah oui, Non, fait. je ne l'ai pas fait. Mais à à quel chronique que je pense d'abord là que avais fait Je l'ai pas fait. Puis tu avais dit, tu avais nommé des places. Puis là, tu avais dit, c'est quoi Non, je l'ai pas fait. c'est pas arrivé Je l'ai pas fait. Je t'écoute vraiment. Je pense que tu as rêvé à ça. Peut-être. j'ai fait des. Moi aussi, je rêve. Alors, merci beaucoup, Nicolas. Merci tout le monde.